Et bonjour, bonsoir, tu sais, à toutes ici, Maître P. Gardien de la Tradition. Que le Créateur des mal de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie ici, Maître P. Gardien de la Tradition. Bienvenue sur votre chaîne Soccer pour les femmes. Mesdames, ici, Maître P. votre avocat, avocat des femmes. Bienvenue sur votre chaîne. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Activez la cloche de notification pour rater aucune de vidéo. Et surtout, abonnez-vous massivement. Je salue aussi les messieurs qui sont là. Mesdames, je suis votre avocat, mes amis, les messieurs qui sont là. Je dois les saluer parce qu'on doit avoir du respect pour tout un chacun. Mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne, ce que pour les femmes, prenez votre petit cahier et écrivez. La recette, c'est pour vaincre les ennemis visibles et invisibles. C'est très important. Parce que vous savez, quand vous dormez des fois, vous avez des attaques. Surtout quand quelqu'un dort et la personne rêve, elle est en train de manger dans le rêve. C'est pas bon. Ou alors, il y a des serpents qui vous croient peur, bien des gens vous croient pour vous agresser. C'est mauvais. C'est-à-dire, vous avez des attaques. Parce que les rêves ne sont pas. J'aurai l'occasion sur la chaîne Science Occulte de vous expliquer un petit peu les différentes interprétations des rêves. Et aussi, au mois de janvier, si plaît au créateur, j'ai aussi des livres qui vont sortir. J'aurai l'occasion de vous les présenter. Mais je vous dis, tenez compte des rêves, parce que les rêves ne viennent pas juste comme ça. On ne rêve pas juste comme ça. Donc, pour combattre les ennemis visibles et invisibles, d'abord, comme je vous ai toujours dit, il faut toujours être une bonne personne. Il faut. Vous savez, quand on dira que oui, mentir fait partie du quotidien de tout un chacun. Mais évitez de mentir le maximum que vous pouvez. Évitez de mentir, c'est mieux. Soyez le plus franc possible. Et surtout, ne faites pas du mal aux gens. Ça fait partie des secrets de la vie. J'ai plein de personnes, plein d'ennemis dans ce monde. Est-ce que moi-même, je cherche à faire du mal à une personne? Je ne cherche pas à faire du mal à une personne. C'est l'enseignement que je vous donne. Même des gens qui m'envoient des messages pour me dire que oui, maître, nous avons vu ci, nous avons vu ça, il faut réagir, il faut faire ceci, il faut réagir. Pourquoi vous ne réagissez pas? Je ne réagis pas. Parce que je vous ai dit de ne pas faire du mal aux gens. Donc il faut tenir cet enseignement que je vous donne. Cet enseignement, c'est important. Si vous voulez aller loin dans cette vie et vous voulez vivre longtemps, ne faites pas du mal aux gens. Parce que celui qui touche les pieds, paye par les pieds. Donc, ça fait partie de l'enseignement pour combattre les ennemis visibles et invisibles. Donc, vous avez besoin de quoi? Vous prenez une bougie blanche. Vous allez prendre une bougie blanche et vous choisissez le jour de la nouvelle lune. Le soir de la nouvelle lune, avant de vous coucher, vous allez parler sur la bougie blanche. Vous allez expliquer au nom du Créateur et vous pouvez faire votre prière en fonction de votre croyance. Si vous ne priez pas, vous allez parler pour dire au nom du Créateur. Vous allez dire un peu que vous voulez être à l'abri des ennemis visibles et invisibles. C'est important. Vous parlez au Créateur. Quand vous avez fini, vous soulevez la bougie 7 fois en l'air. Vers le ciel. 7 fois. Et quand vous avez fini, vous le prenez, vous le mettez sous votre oreiller. Faites attention pour ne pas l'appuyer trop fort, pour ne pas casser la bougie. Et vous dormez dessus. Le matin au réveil, avant de parler à quiconque, vous allez d'abord prendre de l'eau. Vous allez secouer de l'eau 3 fois dans votre bouche avant de brosser vos dents et avant de parler à quelqu'un. Et à ce moment-là, vous allez parler pour la bougie. Et vous allez l'allumer dans un lieu sécurisé pour ne pas mettre le feu dans la maison. Donc ça se fait pendant, vous pouvez le faire, comme on dit, pendant soit 7 nouvelles lunes de suite, pour être sûr que ça puisse durer au moins 7 ans, vous pouvez le faire pendant 7 mois de suite. Mais c'est important de faire ça. Et vous verrez que vos ennemis visibles et invisibles, ils vont eux-mêmes se dissoudre au fur et à mesure. Et vous savez, il y a toujours, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Donc il y a toujours des ennemis partout. Donc c'est à faire chaque année. Tout est à faire. Vous savez, la vie, c'est un combat. Et la meilleure école qui existe, c'est l'école de la vie. Donc sous ce, que le Créateur, les mains de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. N'oubliez pas de rester en vie pour vous remettre.